Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode 13 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui on a à nouveau un programme assez chargé, on va ajouter pas mal de choses. La première fonctionnalité, la fonctionnalité principale ça va être d'ajouter un nombre de vies. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois qu'un ennemi arrivera au bout du niveau et qu'il touchera le point final, le point qu'il n'est pas censé toucher, le point qu'on est censé défendre, eh bien on perdra un point de vie. Donc on va ajouter euh, ce système, pour l'instant on va juste mettre un debug.log une fois qu'on aura plus de vie. On s'occupera du système de game over avec un écran de game over un petit peu plus tard dans la série. On va aussi ajouter un certain nombre de points de vie à nos différents ennemis. On va aussi ajouter des particules ou du moins un effet euh, lorsqu'un ennemi meurt. Bref, on a pas mal de choses de prévues pour aujourd'hui. Donc, on va s'y mettre tout de suite. On peut aller ouvrir le script stats Parce que c'est depuis ce script qu'on va gérer le système de, de vie. Pour l'instant, on va faire quasiment la même chose que pour l'argent. On va commencer par faire une variable publique statique int qu'on va simplement appeler lives, donc pour le nombre de vies. Et on va créer une publique int start lives, avec le nombre de vies de départ. Pour l'instant, on va en mettre 20 juste pour les tests. Ensuite, on va simplement dire que lives est égal à start lives. Tout simplement, même principe que pour l'argent, de cette manière on va pouvoir accéder à lives, donc au nombre de vies restantes depuis un petit peu n'importe où dans notre code. Maintenant qu'on a notre système de vie, il faut qu'on puisse montrer au joueur combien de vies il lui reste. Donc est-ce qu'il est en danger ou est-ce qu'il a pas trop de soucis à se faire pour le moment. Pour ça, on va faire du UI. Donc on en a déjà pas mal fait à l'épisode précédent, mais c'est pas terminé. Euh, on a actuellement deux canvases, on a un canvas pour le shop. Donc c'est celui où on a notamment les tourelles qui sont simplement affichées par-dessus l'écran, par-dessus l'écran de jeu. Et on a le canvas qui est en bas ici qui est vraiment intégré à la scène. Donc on va commencer par les renommer. Le canvas d'en bas on va l'appeler bottom canvas. Donc le canvas du bas. Et celui-là on va l'appeler overlay canvas. Donc ça c'est le shop. On va ensuite dupliquer bottom canvas. Donc on peut faire Ctrl D ou simplement Ctrl C, Ctrl V. Je vais me mettre en vue de haut. Et je vais simplement déplacer ce bottom canvas, cette copie, en haut de l'écran. Et c'est en haut de l'écran que je vais afficher le nombre de vies de mon joueur. Donc si on va maintenant dans les game, on peut voir qu'on a la même chose en haut et en bas. Euh, et je vais me mettre en. Euh, J'ai utilisé, utilisé le rectool pour réduire un petit peu la hauteur de ce canvas, euh, histoire que ce soit quand même assez proche du niveau. Et on va le renommer en top canvas. Maintenant qu'on a copié ça, on va aller dans la scène et on va modifier un petit peu le formatage de ce texte. On va ouvrir et on va supprimer déjà Money parce qu'on n'aura qu'un seul élément qui sera affiché dans ce canvas. On va se baser sur Time. Euh, on va centrer le paragraphe au milieu et on va le centrer en bas pour qu'il soit vraiment au plus proche de notre niveau sans pour autant être par-dessus. Et ici, on va pouvoir simplement augmenter la taille de cet élément. Donc je vais aller sur Top Canvas, le Rectool et je vais augmenter ça un petit peu. Je vais aller sur Time, et euh, alors on est déjà en normal. Et je vais augmenter un petit peu le font size. Et on va remplacer ici le texte par par exemple euh, 20 lives, donc pour 20 vies. Euh, vous pouvez mettre ça en français évidemment, hein, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et on peut potentiellement encore un petit peu augmenter pour que vraiment ça prenne toute la taille de notre canvas. Et je crois qu'on est bloqué à 300, donc on pourra pas aller plus haut. Mais il y a une technique on prend le top canvas. Et le scale ici, on peut le passer à 0,08. On va essayer. Et on va mettre ça partout. Du coup, c'est beaucoup plus grand. On va monter ça un petit peu. Et là, effectivement, on va peut-être pouvoir baisser un petit peu le font size. Et je pense qu'ici, c'est pas trop trop mal. On peut écraser un petit peu notre top canvas. Et ici, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Voyons voir dans l'onglet game. C'est pas trop mal. On va remonter ça un petit peu pour pas que ce soit trop collé non plus. Et je pense que là, l'effet est plutôt sympa. Euh, ce qu'on peut faire potentiellement, c'est reprendre la main caméra. Parce que là, on peut voir qu'en euh, bas, on a pas mal d'espace. Mais en haut, euh, le texte est vraiment collé. Donc on peut peut-être modifier un petit peu, déplacer un peu la main caméra. Je vais la monter un petit peu. Et voilà un effet qui est quand même beaucoup mieux. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir simplement lier ce texte qu'on a là-haut à notre euh, script qui a euh, le nombre de points de vie. Donc pour ça, on va faire... Quasiment pareil que pour Money, comme on avait fait à l'épisode précédent. On va aller sur euh, bah notre texte de vie, donc chez moi il s'appelle toujours Time, donc je vais l'appeler LivesText. Je vais aller en bas de cet objet, je vais ajouter un component que je vais appeler simplement euh, Lives UI. Sur le, la même nomenclature que pour Money UI. Donc je vais ajouter ce script, Lives UI, on va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. On peut enlever les systèmes collection. En revanche, on aura besoin de UnityEngine.ui, vu qu'on va avoir besoin d'une variable texte. Donc, public texte, et on va simplement l'appeler livesText. Avec peut-être un L minuscule pour respecter la nomenclature. Juste avant de continuer, je vais revenir sur Unity. Euh, je vais peut-être mettre l'expression lives en majuscule. Et du coup, effectivement, c'est bien ce que je pensais, ça serait un peu trop grand. Alors, si je descends un petit peu le font. Ici, je pense qu'on sera un petit peu mieux. Ça sera quand même plus sympa de l'afficher euh, en majuscule plutôt que euh, faire une majuscule au début et le reste en minuscule. Ok, maintenant qu'on a ça, on va aller dans le script. La fonction start, on n'en aura pas besoin. On va faire le même fonctionnement que pour MoneyUI. Bah, le, le script est justement là-haut chez moi. Donc, même principe, on accède au texte de notre variable, puis on ajoute les éléments nécessaires. Donc, je vais d'ailleurs fermer tout ça. Donc, dans LivesUI, je vais dire LivesText.text est égal à player stats. Uh, lives. et ensuite vu que là on récupère une int et qu'on la met dans une variable texte, il faut qu'on ajoute normalement point to string mais on n'est pas obligé de faire ça parce qu'on va ajouter une expression uh, string donc on va coller une string à cette int du coup unity va automatiquement uh, transformer l'ensemble en string donc là on peut mettre uh, simplement lives on va ensuite aller tester ça directement dans Unity. Donc pour l'instant on n'a pas moyen de perdre une vie, euh, mais on peut euh, se débrouiller pour le faire automatiquement. Euh, sur Game Manager on a normalement notre Player Stats et euh, donc là on est à 20. Si je mets par exemple 17, logiquement on devrait automatiquement avoir 17 Lives en haut si j'appuie sur Play. Non, forcément parce que j'ai oublié de euh, d'assigner la variable. Donc je vais aller sur Lives Text et je vais simplement glisser le component Text ici dans Lives Text. Ou alors je peux simplement glisser l'objet, ça revient au même. Et du coup, maintenant, normalement, on devrait avoir 17 lives en appuyant sur play. Effectivement, c'est le cas. Euh, petit souci, j'ai oublié d'ajouter un espace entre le 17 et le lives. Donc, dans le script ici, juste avant lives, on va ajouter un espace. Juste pour euh, séparer notre int de notre morceau de string ici. Ok, donc maintenant on sait que ça fonctionne, mais euh, on a un petit peu euh, triché pour euh, faire fonctionner le système. Donc, on a juste testé via la fonction start et l'assignation de la variable start lives. Maintenant, il est temps de faire en sorte que les ennemis fassent réellement des dégâts aux vies de notre joueur. Donc, on va modifier certaines choses. On va aller déjà dans le game manager. Euh, le nombre de vies avec lesquelles on commence, on va peut-être se mettre à bah, juste une pour l'instant. On va dire qu'on n'a qu'une seule vie. Euh, le temps entre chaque vague, on va peut-être mettre 10 secondes pour que les ennemis apparaissent un petit peu plus vite. Et on va ensuite simplement aller sur prefab. Ennemi et euh, la vitesse des ennemis, je vais la mettre à 50. Comme ça, les ennemis iront vite du début à la fin et on pourra tester rapidement sans avoir à attendre que l'ennemi euh, fasse vraiment tout le chemin. Ce script ennemi, on va aussi l'ouvrir parce que c'est depuis ce script ennemi qu'on euh, a l'événement qui se déroule lorsque l'ennemi atteint le bout du parcours. Donc actuellement, c'est euh, get next waypoint ici. Donc l'ennemi cherche le prochain point de passage et on vérifie ici si c'est le dernier point de passage s'il n'y en a pas d'autre alors c'est que l'ennemi est arrivé au bout du parcours donc on auto-détruit l'ennemi et on arrête simplement notre euh, l'exécution de ce script ici donc là actuellement quand un ennemi le, atteint la fin du parcours il s'auto-détruit et c'est tout donc c'est en fait simplement ici qu'on va ajouter de quoi euh, effectuer des dégâts sur les vies de notre joueur donc sur les points de vie restants donc plutôt que de mettre tout ça dans get next Waypoint ici, on va séparer notre code. Évidemment, ça nous permettra de mieux se retrouver. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement une nouvelle fonction qu'on peut appeler end path, donc fin du parcours, fin, du, fin de la route. Ça. Et c'est à l'intérieur de end path qu'on va faire notre destroy game object. Donc l'objet, il va s'autodétruire quand il arrivera à la fin du parcours. On va donc appeler end path. Depuis le, la condition ici qui vérifie si on est bien au dernier waypoint, donc si on est au dernier, on appelle npath et depuis npath, on va simplement détruire, autodétruire l'objet, donc l'ennemi. Mais avant de le détruire, on va simplement faire playerstats.lives et on va faire moins moins pour simplement enlever une vie pour décrémenter notre variable lives. Vous pouvez aussi faire moins égale 1, ça reviendra au même. Donc mettons moins moins, c'est ce qui est le plus utilisé. Et du coup on va tester ça si j'appuie sur play logiquement euh, on devrait voir l'ennemi apparaître au bout de 5 secondes vu que j'ai ajouté un petit délai et une fois qu'il arrive au bout normalement on devrait passer à 0 vie donc 0 lives en haut on va voir ça très rapidement 0 lives ok donc vous l'avez vu aussi euh, maintenant s'il y a d'autres ennemis qui euh, atteignent le point final euh, lorsqu'on a 0 vie et eh bien on passe à moins 1 vie puis moins 2 moins 3 etc à l'infini donc il va falloir qu'on fasse euh, une fonction qui sera appelée lorsque le joueur n'a plus de vie. Donc pour l'instant on va faire quelque chose de relativement basique, Alors, on va juste afficher un debug.log ou quelque chose comme ça, et par la suite on aura un épisode vraiment dédié euh, au système de game over, donc lorsque le joueur n'a vraiment plus de vie. Euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau script qui va nous permettre de gérer tout ce qui est un petit peu euh, système, c'est-à-dire pour euh, lancer le jeu, pour quitter le jeu. Pour le menu de Game Over, euh, bref, pour tout ce qui est vraiment euh, pas gameplay mais vraiment système. Et pour ça, on va le faire depuis Game Manager. Donc on a ici le Wave Spawner, le Build Manager, les Player Stats et on va ajouter un nouveau component qu'on va carrément appeler Game Manager. Donc un nouveau script. Et ce script Game Manager, il va vraiment être responsable de tout l'aspect euh, système et euh, on va dire entre guillemets maintenance de notre jeu. D'ailleurs, je vais le mettre tout en haut, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien avoir mon script Game Manager toujours. À portée de bain. D'ailleurs vous remarquez aussi que Game Manager a un icône différent. Il a une petite roue dentée à la place d'avoir un, un icône C sharp ici. Euh, donc c'est un script classique, c'est simplement un petit, euh, voilà, un petit clin d'œil, un petit easter egg on va dire de Unity. Euh, certaines expressions permettent d'avoir des icônes différents. Ok, ce script GameManager, bah, on va l'ouvrir. Donc dans ce script, on n'aura pas besoin de la fonction start, du moins pas pour l'instant, pas besoin des systèmes collection, on va les enlever. Euh, ce qu'on va simplement faire c'est qu'on va vérifier le nombre de vies qui reste à notre joueur. On va dire que si playerStats.Lives est inférieur ou égal à 0, ce qui signifie qu'on a simplement plus de vie. Donc on fait une petite vérification au cas où plusieurs ennemis toucheraient le point d'arrivée en même temps. Et simplement si on a euh, donc plus de vie, on va simplement appeler euh, Endgame. Donc fin du jeu. Ça, ça va être une fonction qu'on va créer juste en dessous. End game qu'on peut laisser en privé parce qu'on va pas l'appeler depuis euh, un autre script et dans endgame pour l'instant on va juste mettre un debug.log et on va dire game over donc le jeu est perdu euh, depuis, cette fonction game, depuis cette fonction endgame vous allez pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités vous pourrez également rajouter euh, une ligne qui automatiquement va recharger le niveau ou qui va directement renvoyer le joueur vers euh, le menu principal ou la sélection des niveaux bref vous pouvez faire un petit peu tout ici. Pour le moment, comme je l'ai dit, on reste sur quelque chose de simple. Simplement un petit debug.log et par la suite on améliorera tout cet ensemble. En revanche, si on teste maintenant, alors effectivement, si on n'a plus de vie, on aura bien le debug.log Game Over qui va s'afficher, mais il va s'afficher en boucle. Il va être complètement spammé dans la console et c'est pour l'instant pas vraiment un problème. Mais si par la suite on veut ajouter certaines, certaines lignes dans Endgame qui, doivent ne, qui ne doivent se lire qu'une seule fois, par exemple, le chargement d'une scène de Game Over, et eh bien, le problème, c'est que là, ça va être chargé énormément de fois. Donc, je vais quand même vous montrer le problème. Je vais appuyer sur Play, et quand l'ennemi atteint le bout, on a Game Over ici et c'est spammé. Donc là, je suis en collapse, mais si j'enlève, vous voyez que là, on a le message qui se répète et qui est spammé dans la console. Donc, ça pose un petit problème parce que si on a certaines lignes qu'on ne veut lire qu'une seule fois, eh bien, on ne peut pas utiliser le système actuel. Donc, on va créer simplement une booléenne en privé. Donc on va être private, bool, et on va dire game ended, qui de base sera sur false. Donc on va dire que le jeu n'est pas terminé de base. Et ici dans endgame, si cette fonction est appelée, c'est que le jeu est terminé. Donc on va dire game ended, euh, égale true. Et dans update, on va simplement faire une vérification. On va dire que si game ended euh, est sur true, donc on n'a même pas besoin de préciser, on peut dire juste if game ended, alors on va return. Donc on va sortir de ce script, on ne va pas lire les lignes suivantes, euh, qui est l'appel à endgame. Et je pense que ça sera un petit peu plus propre de séparer ça dans une condition séparée. Donc là en théorie, on va avoir notre ennemi qui va apparaître. Et maintenant on a 0 lives, on a plus de vie et on a le game over dans la console euh, qui ne s'est envoyé qu'une seule fois. Comme vous pouvez le voir ici, et si là on a un autre ennemi, eh bien le game over ne se répète pas parce que techniquement le jeu est déjà terminé. Donc ce qu'on devra faire aussi par la suite, c'est arrêter réellement le jeu. Donc désactiver le spawn des ennemis et aussi désactiver la possibilité pour Lives ici de passer à moins 2. À moins 1, moins 2 ou plus généralement dans le négatif. Mais tout ça, toutes ces fonctionnalités, toutes ces pe... tous ces petits ajouts assez secondaires, on verra ça un peu plus tard. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est ajouter un certain nombre de points de vie à notre ennemi. Parce qu'actuellement, lorsqu'un ennemi est touché par une balle ou une roquette, l'ennemi est instantanément détruit. Pour changer ça, on va aller dans script, ou du moins vous allez trouver votre script boulette et vous allez l'ouvrir. Dans ce script boulette, on a une fonction euh, damage ici qui est appelée lorsque la balle touche un ennemi. Et ce qui se passe actuellement, c'est que on détruit directement l'objet qui est touché, donc c'est l'ennemi. L'ennemi est instantanément détruit. Il euh, n'y a pas de système de dégâts, c'est vraiment une destruction euh, instantanée. Donc basé sur cette fonction et basé sur le script de l'ennemi, on va euh, faire en sorte que euh, l'ennemi puisse prendre des dégâts. Donc chez moi le script ennemi il est déjà ouvert ici dans Visual Studio. Donc forcément en fait on l'a modifié juste avant. Euh, donc ouvrez-le si ce n'était pas déjà le cas. Je vais changer, je vais fermer le Game Manager et le Live UI pour l'instant. Euh, et dans Ennemi, on va commencer par ajouter une euh, variable publique, int, qu'on va appeler elf, et qui de base sera égale à 100. Donc de base notre ennemi aura. 100 points de vie. Dans, cette, euh, dans ce même script ennemi, dans cette même classe, on va ajouter une fonction qui va lui permettre de prendre des dégâts. Donc à chaque fois qu'on voudra faire des dégâts à un ennemi, on appellera sur le propre script de l'ennemi une fonction pour qu'il puisse s'infliger des dégâts. Pour faire ça, on va donc créer une fonction publique, très importante, parce qu'il va falloir qu'on accède à cette fonction depuis euh, d'autres classes. Donc on va dire public, euh, void take damage, donc prendre des dégâts. Et on va prendre en argument une int qui va être Amount. Et cette Amount, ça va correspondre aux dégâts qu'on va envoyer à l'ennemi. Donc ici, il nous reste simplement à dire qu'on va enlever à la vie de notre ennemi le nombre de points de dégâts qu'on a envoyé. Donc Elf minus Amount. Donc moins, égal plutôt, euh, pour que ça fonctionne. Et ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'ennemi va prendre plusieurs dégâts, mais à un moment l'ennemi n'aura plus assez de points de vie, donc on va aussi gérer euh, l'appel à la fonction de mort depuis cette fonction. On va dire que si euh, elf est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'après euh, avoir effectué les dégâts, hein, donc d'abord on effectue les dégâts, ensuite on vérifie, si la vie de l'ennemi est inférieure ou égale à 0, on va simplement appeler une fonction qu'on va appeler die par exemple, donc une fonction pour la mort qu'on va créer juste en dessous, private, void, on peut la mettre en privé celle-là parce qu'on ne l'appellera pas depuis euh, une autre classe, et ici pour l'instant on va simplement faire un destroy, voilà, destroy gameobject. Et dans un instant, on améliorera un petit peu cette fonction pour ajouter un, un effet lors de la mort d'un ennemi. Parce que pour l'instant, les ennemis vont juste disparaître d'un coup. On va faire en sorte de, de, de faire ça un petit peu plus joliment, comme pour l'apparition des toiles. On va sauvegarder ça. Dans... On va aller dans Boulette maintenant. Donc ici on ne peut plus euh, se contenter de faire un destroy, et on ne peut plus se contenter non plus de la transforme, parce que maintenant ce qu'on veut faire depuis cette fonction damage, donc c'est la fonction qui est appelée lorsque la balle touche l'ennemi, hein, pour rappel, euh, ce qu'on veut faire c'est récupérer le component ennemi de l'objet touché, donc on va aller sur la transforme ennemi, récupérer le component ennemi, et sur ce component ennemi on va faire euh, on va appeler la fonction take damage qui va nous permettre simplement d'enlever de, des points de vie à notre ennemi et à terme de le tuer. Donc on va simplement euh, récupérer d'abord le component. Donc on va récupérer un component de type ennemi, qu'on va simplement appeler E pour l'instant. Euh, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et on va dire enemy. Donc simplement l'argument qu'on a au-dessus, enemy.getComponent Enemy. Maintenant qu'on a récupéré le component, on peut simplement faire i.take. E Damage. Et là, on va pouvoir choisir ce qu'on va envoyer à Take Damage. Soit on envoie quelque chose de fixe. Donc par exemple, là, je mets 20, ce qui signifie que toutes nos balles feront 20 points de dégâts à notre ennemi. Ou alors, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Et je pense que vous vous y attendiez. On va ajouter une variable public int damage. Euh, qui, de base, euh, je vais la mettre égale à 50. Et ensuite, on va retourner en bas. Donc dans notre... Euh, fonction damage et plutôt que d'envoyer 20 ici je vais envoyer le la variable damage ce qui va nous permettre simplement de choisir euh, pour chaque balle pour chaque projectile on va pouvoir choisir combien le projectile va faire de dégâts donc de cette manière on pourra faire par exemple 50 points de dégâts avec une balle classique de tourelle standard et on pourra faire par exemple quelque chose de beaucoup plus élevé comme 300 euh, sur une roquette euh, vu que les roquettes utilisent également le script boulette euh, et le destroy point game object, on n'en a plus besoin, parce que l'ennemi il est simplement détruit lorsqu'il n'a plus de points de vie depuis le script ennemi. Euh, par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire, et que je vous recommande de, de faire peu importe le type de jeu, c'est de faire plusieurs vérifications. Ici on part du principe que on stocke ennemi, euh, donc on, on stocke le component ennemi dans la variable E. Mais si pour X raisons l'ennemi n'a pas ce component ennemi, eh bien bah, ça risque de faire pas mal d'erreurs et de bloquer notre jeu à un moment. Donc on peut rencontrer cette erreur pour plusieurs raisons. Soit on a carrément oublié d'ajouter le component ennemi à un ennemi, donc forcément ça risque pas de fonctionner. Euh, soit on aura peut-être des ennemis qui auront un script différent. Par exemple, on aura des ennemis plus forts qui s'appelleront, euh, je sais pas, super ennemi. Et du coup bah forcément on retrouvera pas ce fameux script ennemi. Donc il faut qu'on fasse une vérification. On va simplement dire que si E n'est pas égal à nul donc, si on a bien récupéré le component, on va effectuer les dégâts. Dans l'éventualité où on n'a pas récupéré le, le component ennemi, on peut éventuellement ajouter un else ici. Et on peut carrément mettre un debug.log error. Parce que là, c'est vraiment une grosse erreur. Il faut absolument que nos ennemis aient un script ennemi. Et on va marquer pas de script ennemi sur l'ennemi. Comme ça, au moins, on est au courant et on peut fixer notre problème rapidement. Euh. Aussi, j'ai dit, dit que je vous expliquerai pourquoi j'ai appelé le component euh, E et je l'ai pas ennemi. Euh, 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 simplement parce que là, on récupère en argument déjà un, une transforme qui s'appelle ennemi. Donc je peux pas réutiliser ennemi écrit comme ça déjà. Donc il a fallu que je choisisse un nom différent et j'ai choisi euh, E simplement pour ennemi pour écrire ça euh, plus rapidement. Euh, vous voyez, c'est plus rapide d'écrire E.takeDamage plutôt que ennemi ou euh, component ennemi ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez utiliser quelque chose de plus euh, représentatif euh, de ce qu'on récupère, donc ennemi component par exemple ou ennemi script, euh, n'hésitez pas à l'ajouter ici à la place de E, donc à la place de tous les E. Ok, on va sauvegarder ça et normalement ça devrait déjà fonctionner. Donc on va aller tester ça, juste avant je vais aller sur prefab, euh, sur boulette on peut maintenant changer les dégâts de notre balle, donc on pouvait déjà changer euh, la vitesse et l'explosion radius, mais maintenant on peut changer les dégâts. Donc vu que nos ennemis ont 100 points de vie, je vais laisser le, les dégâts de base de la tourelle à 50. Donc il faut deux balles de tourelle pour détruire un ennemi. Euh, sur l'ennemi, je vais juste changer sa vitesse. Je vais revenir à 12. Moi j'avais mis 12. Alors, 50 c'est peut-être un peu élevé. Vous pouvez également changer la vie des, la vie des ennemis. Euh, par la suite, on pourra avoir, comme j'ai dit, plusieurs ennemis avec des ennemis qui ont plus de points de vie ou d'autres qui ont moins de points de vie, mais qui ont par exemple des points de bouclier, du blindage, bref, euh, ici seule votre imagination euh, vous arrêtera. Euh, et sur Missile Prefab également, il y a une option Damage qui est apparue, vu qu'on utilise également le script Boulette. Et moi sur Missile Prefab, ici, je vais carrément mettre des dégâts beaucoup plus élevés, je vais mettre à 200. A euh, savoir que c'est 200 points de dégâts qui vont être effectués sur tous les objets dans le radius de l'explosion. Donc si on a 3 ennemis, les 3 ennemis vont être détruits. Ça va pas être 200 points de dégâts qui vont être répartis sur les ennemis. Je vais sélectionner une tourelle standard, je vais la placer ici. Donc on va attendre qu'un ennemi apparaisse. Normalement l'ennemi va être touché une première fois, il va survivre. Donc là il a été touché. Là il va être retouché et effectivement voilà, l'ennemi a bien été détruit. On va maintenant tester la tourelle lance-missile. Alors j'ai eu un petit lag pendant l'enregistrement donc je vais retester tout simplement, je vais faire un zoom, je vais mettre le lance-missile ici et normalement lorsque l'ennemi va apparaître là, il devrait se faire directement voilà, détruire instantanément. On va même pouvoir tester sur deux ennemis euh, pour vérifier que les deux ennemis soient bien détruits instantanément. Donc on va attendre la prochaine vague. Et le lance-missile ne devrait pas tarder à tirer. Et voilà, nos deux ennemis ont été détruits. Donc impeccable, ça fonctionne bien. On a maintenant euh, la possibilité de changer les dégâts de telle ou telle tourelle, de tel ou tel projectile pour être précis. On va en profiter maintenant pour ajouter une autre fonctionnalité euh, qui va être simplement une récompense pour le joueur. Une fois que le joueur aura tué un ennemi, une fois qu'il se sera débarrassé d'un ennemi, eh bien on peut notamment lui donner de l'argent par exemple, pour qu'il puisse simplement continuer à se défendre. Donc dans le script ennemi, dans la fonction die ici, pour l'instant on détruit simplement l'objet. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que l'ennemi est détruit, donc une fois que euh, l'ennemi est hors combat, eh bien, on va pouvoir récompenser le joueur. Donc on va pouvoir par exemple lui dire playerstat.money. Euh, plus égal, et par exemple, on peut donner 50 dollars à notre, à notre joueur. Euh, sachant qu'une tourelle euh, standard coûte 100 dollars chez moi, 50 dollars c'est plutôt pas mal. Il faut quand même tuer deux ennemis pour pouvoir en créer une. Euh, et éventuellement, ce qu'on peut faire, si vous voulez pas faire ça en dur, ce que je vous recommande d'ailleurs, euh, c'est de créer donc une euh, variable publique, int, qu'on va appeler euh, simplement value pour l'instant. Euh, je vais mettre égal à 50. Par défaut, et je vais mettre value ici à la place de plus égal 50. De cette manière, vous allez pouvoir changer value pour euh, choisir combien d'argent va vous donner euh, l'ennemi lors de sa mort. Donc, évidemment, value, c'est peut-être pas très représentatif, mais vous pouvez mettre euh, money gain, value gain ou quelque chose comme ça. Ou earn money ou quelque chose comme ça. Euh, bref, c'est à vous de voir pour le nom de la variable. Mais une fois qu'on a ajouté ça, on peut aller sur notre ennemi, notre préfab. Et ici, on a maintenant value euh, qui correspond simplement à l'argent qu'on va gagner lors de la destruction d'un ennemi. Donc, on va tester ça. Euh, J'ai 400$ de base, je vais créer une tourelle, ce qui va faire qu'il me reste plus que 300$. Et normalement, lors de la destruction de l'ennemi, on devrait passer à 350. Voilà, 350. On a donc bien gagné de l'argent en se débarrassant d'un ennemi. On va maintenant rapidement rajouter un, un système de particules lorsque notre ennemi est détruit. Donc, ça sera un petit peu plus sympa que faire une disparition euh, venue de nulle part. Euh, on va prendre boulette Impact Effect. Euh, ouais, on va se baser là-dessus. On va le glisser dans la scène, dans la hiérarchie. Euh, je vais faire F pour me focus dessus. Je vais déjà renommer cet objet en euh, Enemy Def Effect. Je vais glisser déposer cet objet dans mon dossier Prefab pour en faire une nouvelle Prefab. Euh, et. On va se baser là-dessus pour créer une particule de mort pour notre ennemi. On va activer Looping ici, dans Particle Effects, euh, dans Particle System, pour pouvoir tester un petit peu mieux notre particule. Et là, je vais passer assez rapidement sur ce Particle System. Je pense que vous avez compris le principe, et de toute façon, c'est vraiment à vous de euh, tweaker un petit peu euh, tous les paramètres pour avoir vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc, je vais passer de la duration à 2. Euh, et moi, mon objectif avec cette, euh, ce système de particules, c'est de donner l'impression au joueur que notre ennemi va simplement éclater, il va exploser en plusieurs pièces, euh, en plusieurs petites particules. Donc je vais aller dans le renderer, et ici, euh, à la place de bullet impact dans matériel, je vais prendre le, la couleur de l'ennemi. On aura vraiment l'impression que la sphère de l'ennemi va exploser en plusieurs parties. Euh, je vais aller dans émission, et je vais augmenter le burst, je vais passer de. Euh... 15 à 30 facilement euh, vraiment pour avoir cette impression de d'explosion je pense que je peux même mettre plus euh, peut-être entre 30 et 45 euh, je vais passer la duration à 1 par contre voilà je vais remettre à 1 euh, qu'est ce qu'on peut modifier encore shape dans shape je vais mettre alors je vais augmenter le radius à 1 je ne vais pas passer énormément de temps dessus, euh, vous avez compris le principe des systèmes de particules, donc je vais faire apply. Je vais supprimer ça de ma scène et on va s'occuper maintenant de la partie scripting. Donc on va aller dans ennemi et au niveau de la fonction ici die. Donc depuis ici on va faire un instantiate pour faire apparaître notre système de particules et on va aussi détruire ce système de particules depuis cette même fonction au bout d'un certain temps. Euh, en revanche, il va falloir qu'on stocke cette, euh, particule, ce système de particules dans une variable, donc on va dire public, gameobject, alors, gameobject c'est un peu différent de game manager, euh, qu'on va appeler simplement def-effect, on va aller dans die, et on va faire apparaître tout ça, euh, l'ordre n'a pas vraiment euh, réellement d'importance, alors juste avant le destroy forcément, euh, ici je vais dire euh, instantiate, Death effect. on a envie de le faire apparaître à transform.position donc à la position de l'ennemi euh, la rotation on va pas la prendre en compte donc quaternion point identity euh, ce, cet objet donc def effect on va le stocker dans une variable temporaire game object def effect égal et on va préciser game object et euh, maintenant que c'est fait alors je peux pas mettre def effect forcément euh, je vais mettre def particles. Alors, je peux pas utiliser def effect parce que forcément c'est déjà le nom d'une variable donc je peux pas réutiliser la même. Donc, je vais juste mettre def particles et ici on va faire destroy, euh, on va détruire DefParticles. particles au bout de euh, bah, une seconde devrait suffire. Euh, dans le doute, on va mettre deux secondes, c'est pas très très important à hein, une seconde près. Euh, on va sauvegarder ça et du coup, ça devrait déjà fonctionner lorsqu'un ennemi est mort. Euh, on gagne de l'argent. On fait apparaître un système de particules pour représenter la mort de l'ennemi et on détruit l'objet. Alors forcément tout ça, ça va se lire quasiment instantanément. Je vais tuer un ennemi avec une tourelle standard, parce qu'avec la tourelle à missile, ça va être. Euh... Il va y avoir tellement de particules qu'on va pas réussir à faire la différence. Donc première balle et là normalement... Forcément, même problème qu'avant. Apparemment c'est quelque chose qui ne change jamais. Donc il faut que j'aille sur ennemi. Et ici il faut qu'on glisse le death effect. Donc ça va être. Euh, où est-ce qu'il est, qu il est Ennemi, Def, Effect. Faut simplement le glisser là-dedans et normalement ça devrait fonctionner. Heureusement qu'il y a des erreurs qui s'affichent pour ce genre de choses parce que je peux vous dire que sinon je passerai un temps fou à des bugs pour pas grand chose. Ok, je vais mettre ma tourelle ici. On va tirer sur l'ennemi, première balle et deuxième balle. Voilà, on a une destruction sur l'ennemi et j'ai oublié euh, quelque chose d'assez important. On va aller sur Ennemi, Def, Effect et on va désactiver le looping. Sinon, pendant une seconde, euh, le système de particules va se mettre en boucle. On va tester une dernière fois, cette fois-ci, ça devrait être bon. Donc, je vais m'approcher du point de spawn, je vais mettre une tourelle, je vais carrément la mettre ici. Et maintenant, lorsque l'ennemi est détruit, on a voilà, cet effet de particules bleues qui apparaît. Et ça donne vraiment l'impression que l'ennemi est, euh, est simplement détruit en plusieurs petites pièces, en plusieurs petits morceaux. Voilà, je trouve que l'effet est très très bien et de toute façon, je euh, vous l'ai déjà expliqué, euh, que ce soit le UI ou les systèmes de particules, c'est à vous de passer du temps là-dessus pour vraiment avoir un effet euh, euh, qui vous plaît et surtout un effet beau. On arrive donc à la fin de cette vidéo, de cet épisode 13, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez euh, soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez le faire via Tipeee ou via Utip. Sur Tipeee, vous pouvez faire des dons financiers récurrents ou uniques qui vont contribuer à la création des vidéos. Et sur Utip, vous pouvez également me soutenir, mais d'une façon différente, vous pouvez choisir de volontairement regarder une ou des publicités. Et en regardant ces publicités, en regardant ces quelques secondes, vous allez générer quelques centimes qui me reviendront directement à moi, le créateur des tutoriels que vous connaissez. Utip est donc une excellente alternative si vous souhaitez me supporter mais que vous n'avez pas les moyens ou pas la possibilité d'effectuer un don. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur la page Tipeee ou sur le Utip, les deux types, les deux liens sont en description. Ah, C'est la fatigue. Avant de finir la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier qui sont tous affichés à droite de l'écran et un remerciement spécial à chacun d'entre eux, NupiedX, Spyprog, pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismegist, Spock 2018 et MaxiYoyo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série, l'épisode 14. Salut